suis hors de moi-même, voyant l'abaissement où la grandeur suprême est au Saint-Sacrement. J'y vois notre vrai Dieu, j'y vois le roi de gloire, caché dedans l'obscurité, sans éclat et sans majesté. Oh, qui le pourrait croire? Cet agneau des bonheurs se met dans cet état pour auprès de son Père être notre avocat. C'est là que nuit et jour il est en sa présence pour retenir son bras vengeur tout près de punir le péché qui l'irrite et l'offense. Fait une hostie pour calmer son courroux, sans cesse il le supplie d'avoir pitié de nous. C'est là qu'il rend à Dieu tout honneur, tout hommage, si faisant notre supplément, l'aimant pour nous infiniment. Que peut-il davantage? Il est en sa présence, en adoration, rempli de révérence et d'amour pour son nom. C'est là qu'à tout moment son sacré cœur désire que Dieu soit partout exalté et que tout soit en vérité soumis à son empire. C'est par lui que les anges et tous les bienheureux donnent mille louanges à Dieu de dans les cieux. Ce qu'ils font dans le ciel, nous le pouvons bien faire, puisque Jésus est avec nous pour y devenir tout à tous comme notre exemplaire. Puisque Jésus s'abaisse par un excès d'amour, sa charité nous presse d'user d'un grand retour. Visitons-le souvent dedans ce grand mystère. Unissons-nous à ce qu'il dit, à ce qu'il y fait jour et nuit, pour honorer son Père. Ô Jésus tout aimable, nous nous donnons à vous, y
il est bien raisonnable, vous donnant tout à nous, venir régner en nous comme dans votre temple, pour l'adorer profondément et pour l'aimer parfaitement, et nous à votre exemple. Vous faites pour nous sur cet autel des louanges parfaites à cet être immortel. Sacré cœur, entonnez le cantique ineffable que vous seul pouvez bien chanter. Tout le ciel prend à l'écouter joie admirable. Je suis hors de moi-même, voyant l'abaissement, où la grandeur suprême est au Saint-Sacrement. J'y vois notre vrai Dieu, j'y vois le roi de gloire, caché dedans l'obscurité, sans éclat et sans majesté. Oh, qui le pourrait?